Et salut les amis, allez, comme chaque premier vendredi de chaque mois, on fait gagner le super tirage au sort. Donc c'est un tapis que vous choisissez sur la page Facebook Team Piloufas. Ce mois-ci, c'est Dark Tyrannus qui gagne le gros lot. Donc comme d'habitude, tu m'écris par Messenger ou par Discord, de préférence Messenger. Je suis tout le temps sur Facebook, mais jamais quasiment sur Discord. Semaine prochaine, je ne serai pas là, donc il n'y aura pas de vidéo. Je serai à Châteauroux pour le championnat de France. Je filmerai en différé, donc du coup n'hésitez pas à venir papoter avec moi entre les rondes. Pareil, j'aurai même un deck avec moi, donc si vous voulez jouer avec moi, il n'y aura aucun souci. Ensuite, je serai donc là le vendredi, samedi, dimanche. Et ensuite les 15 jours suivants, je serai en vacances en Bretagne. Donc pareil, si vous êtes en Bretagne, en particulier du côté de Saint-Malo, n'hésitez pas à me contacter par Messenger. Je viendrai avec mes decks duel et multi, donc si vous voulez faire des parties avec moi, il n'y aura vraiment aucun souci entre deux petites visites. Et pareil, si vous habitez aussi dans l'ouest de la France, quand je vais revenir sur Agen la dernière semaine, n'hésitez pas à me demander et je m'arrêterai chez vous pour pouvoir faire une petite partie de Magic. Aujourd'hui, on voit la quatrième ronde du tournoi qu'on avait fait à Agen. Je joue toujours Kellogg et j'étais opposé à Cetis. L'attaque. Et c'est parti. Donc je suis à gauche et à droite c'est Simon. J'aurai un effet avant que tu commences. J'aurai une caverne des âmes sur la table. Je vais exiger un sortir de terre. Le pas de marchand, tu te rappelleras que. Et tu peux commencer du coup. Jus prismatique. Ouais. Et pour un, je fais une étendue de l'utopie. Et je vais choisir blanc. Blanc, ok. Donc la version que vous voyez de Kellogg là, c'est l'ancienne version, je l'ai un peu modifié par la suite. J'ai fait pas mal de changements après ce tournoi. Sortir de terre notamment, je l'ai dégagé. Tanière de gobelours. T'as 5 cartes en main? Ouais. Un voleur de riche. Ok. Je déclare pas attaque. Ouais. J'aurai un trigger. Donc ça, c'est exilé et je pourrais jouer. Ah oui, soyez pas surpris, il y a quelques proxys, donc c'est autorisé sur les tournois d'Agen. Quand on veut tester un deck, on n'hésite pas à mettre des proxys. Et si vraiment le deck nous plaît, ensuite on commande les cartes. Je veux une prison fantomale. Ouais. Ouais, ça c'est très pénible. Cette version-là, il y a beaucoup de créatures. Et ensuite des anti-créatures. Il n'y a pas autant de blast qu'un mono rouge. Donc dès qu'on lui pose prison fantomale ou propagande, c'est très compliqué. Poser Killig et tu peux y aller. Du coup, j'ai posé mon général, comme ça, lorsque je vais pouvoir attaquer, j'aurai à chaque fois un trésor. Du coup, pour un vert en blanc, je vais jouer Cetis. Ouais. Je vais dire fin de tour. Donc là, si j'ai un mana et si j'ai un blast à 1, je peux me débarrasser de Cetis et je peux attaquer avec mes deux créatures. Je vais payer 2, je vais pouvoir attaquer avec un Kellig pour la propagande et je vais avoir un effet qui va créer un trésor. Vas-y. Tu peux rentrer en phase de bloc. Je vais prendre 3. 3. Je vais fetcher. Ouais. Tac. Et je vais vouloir tenter une Terminate dessus. Ok, ça marche. Voilà, là c'est bien, je me suis débarrassé de Cetis, il va pas pouvoir gagner de points de vie ni piocher des cartes. Mais il y a toujours Propagande, enfin la prison fantomale, qui me ralentit. Je vais avoir un verre en poule. Jouer classe claire. Classe claire, si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce point de vie plus 1, ouais. Et pour 4, je crois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur une créature sauvée, vous contrôlez. 5 en soi, on verra plus tard ça. Et du coup, pour 2, ouais. Tissu du sanctuaire. Ça, c'est qui fait des manas, autant d'enchantements que tu as. Donc là, elle fait 1. Ouais, donc là, il va faire 4 même. Quelle mana, parce qu'elle-même est un enchantement. Donc il faudrait que je gère elle aussi. Mais bientôt, le retour de Cetis. Mais j'ai pas tout le temps des anti-créatures. Pourtant j'en ai beaucoup. Dans celui-ci j'en ai beaucoup. T'as combien de cartes en main? J'en ai 4. 4.
Vous avez un lac de montagne bouillant. Je vais payer 4 pour la propagande pour attaquer avec les deux créatures. Ok. Et il y aura le trigger de lui et le trigger de lui. Donc, c'est sur le voleur de riche. Ouais. Une forêt. Une forêt. Ok. Tac. Il y a 2 mana. Et phase de dégâts. Je vais prendre 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je suis content. Je mets des bonnes tartes là. Malgré la propagande. Pas malgré la prison, pardon. 18. Je vais chercher le Surveil Land. Ouais. Et tu peux commencer à prendre ton tour. Ok, ça marche. Ouais, j'ai pas trouvé d'anti-créature pour gérer la tisseuse. Du coup, je fais un Surveil Land pour justement aller chercher. Tant que j'ai pas surveillé, parce que ça peut être important. Il va rester dessus. Okay. Ouais, donc si c'est dessus, c'est sûrement un anti-créature. Ou un blast. Pour 4, je vais rejouer Citis. Ouais. Je vais Citis. Ensuite, je vais mettre 4 mana blancs en poule. 1, 2, 3, 5 mana. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a même 5. Oui, 5 la protection. À une créature, ok. Ouais. Donc, il va... Ouais. Il va gagner 2 points de vie du coup. Parce qu'il y a le Trigger City, c'est le Trigger. Le Trigger clair, classe claire. Rouge. Ok. Ok. Genre Trigger City, il gagne 1. Piocher. Okay. Il gagne 1, il gagne 1 aussi pour la classe claire. Je gagnais un de plus avec ça. Ouais. On est bien, hein, vas-y. Je paye 1. Je vais me le remonter en main. Je vais repayer 1. Je vais le rejouer. Ouais. Ouais, il va regagner 2 points de vie. Trigger Cities. Gagne un point de vie, gagne un point de vie avec la classe claire, il pioche une carte. Ça sera une fin de tour. S'il peut se permettre de gagner autant de points de vie par tour, ça va commencer à être très compliqué pour moi. Après, j'ai toujours le voleur de riche qui me permet d'attaquer, qui permet de peut-être trouver une solution dans le deck adverse. Shizo. Si vous êtes peut-être pour ça que j'avais gardé la carte qui était sur le dessus, parce que du coup je peux passer outre la protection contre le rouge. Une furie. Alors je peux pas me débarrasser de Citis qui est protection contre le rouge, mais je peux me débarrasser au moins de la tisseuse qui commence à faire beaucoup de mana. Vas-y. Là je vois qu'il est bloqué à 3 mana, enfin 3 mana plus 1 avec l'étendue d'utopie, mais c'est déjà mieux. Que les 7 ou 8 qu'il pouvait faire avec la tisseuse. Ça donne un seuil à ça. Ok. Trigger Cities. Ouais. Ça, c'est horrible. Je vais en avoir plus avec ça. Pour un verre. Crochiniki. Trigger Cities. Ah, c'est un changement aussi ? Ok. Ouais. Ça marche. Pour un Undine Ice. C'est quoi? Ah oui, d'accord. Ok, ouais, ouais. Je vais... En terrain glissant, il a même fait un proxy pour en terrain glissant qui doit valoir 2 centimes, je crois. Et bon, il voulait tester le deck avant de commander les cartes. Et nous, à Agen, franchement, on autorise toujours ça. Donc il s'est débarrassé de Fury qui aurait pu mettre des grosses patates. Et encore, si j'arrive à me débarrasser de Citis, il me faut une anti-créature noire. Je vois ça.
Ouais. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais avoir comme solution, si ça vaut le coup d'abandonner maintenant. Je vais pas attaque. Ouais. Je vais payer 2 pour lui qui t'attaque. Et je vais payer 2 pour que lui t'attaque. Et je vais donner la peur. Il peut être créé, bloqué que par les créatures noires ou artefacts. En ciblant, ouais, ça. Mm. Je vais avoir un trigger. Trigger. Ouais. Vas-y. Je pensais pas l'avoir skippé. Encore une carte qui ne servira à rien. De fortes chances qu'il bloque. Ouais. Il, ouais. Il prend 3, il passe à 16. Il aurait presque pu bloquer le Lord Rich avec le contact mortel pour être tranquille, s'en débarrasser. Tu m'autorises ? Vas-y, vas-y, vas-y. Il est fair play. Mais de toute façon, la partie, il est déjà pour lui. J'insiste, mais je suis quand même un petit poisson qui se débarrasse d'une mare d'eau. Grâce suprême. Toutes les créatures avec la protection noire. Bah voilà. Protection noire, protection contre le rouge pour Citis. Il va gagner 2 points de vie, il va piocher une carte. C'était à ce moment-là que je pouvais abandonner la partie, mais je voulais savoir en fait comment il gagnait la partie. Là, pour l'instant, il gagne beaucoup de points de vie, mais il gagne pas la partie. Pour 2, jouer ça, Gaia Touch. Je peux jouer un land supplémentaire chaque tour. Okay. Sauf que en fait, le deuxième land, ça sera une forêt de base. Et après, je peux le sacrifier pour 2 pour faire 2 verres à mon mana. Ok. Trigger Cities. Ouais. Il gagne 2. Ouais, chaque carte qu'il va jouer, c'est quasiment un enchantement. Pour chaque carte qu'il joue, il gagne 2 points de vie et il pioche une carte. Donc, ça va être très difficile de remonter. Quand ça arrive sur le champ de bataille, j'exile une créature ciblée. Mm-hmm. Donc ça c'est sur quand c'était le champ de bataille, tu peux le mettre sous ton contrôle, cibler Kellogg. Il va m'exiler, ouais. Je suis obligé de le remettre en zone, parce que j'ai aucun anti-enchantement dans mon deck. Il est remonté à 20. Je l'avais fait descendre à 9 quand même, il a gagné 11 points de vie. C'est à ce moment-là où il faut abandonner la partie, je sais vraiment pas pourquoi je continue. Ah oui, c'est vrai que je voulais vraiment sa wincon. Mais il doit en avoir plusieurs de toute façon. Elle est miracule déjà par exemple. Slicer. Ouais. Et ouais, il aurait fallu le Chaos Defiler. Chaos Defiler, même protection contre le rouge et le noir, je pouvais me débarrasser de Citis. Et 2 pour qu'elle attaque. Ok. Plus qu'un. Là, je vais quand même coller 6. Je te mets 6. Ouais, je passe à 14. Ouais, ouais, c'était pour ça, hein, en me disant si j'ai le Chaos Defiler, je peux vraiment faire quelque chose. Enfin, donc, c'est à toi. Ton ouais. Entretien, il va flipper comme ça. Il va flipper, oui. Et du coup, il fera beaucoup moins mal en 3-2. Il y a en moyenne, il gagne ouais, 4 points de vie par tour, voire 6 points de vie par tour maintenant. Donc, à moins de choper un Chaos Defiler, il ferait casser Citis, mais il pourrait remonter en réponse sa protection, sa rune de garde, la reposer au tour suivant. Donc, je sais même pas ouais, comment gérer ça. Ben voilà. C'était celle qui me fait les 4-4 anges. Voilà. J'attendais sa carte qui pouvait le faire gagner, c'était ça. Et bien 1-0, une partie pas du tout intéressante pour la première. Seconde partie, je voulais faire un mulligan parce que j'ai aucun anti-bête dans la première main. Et il faut à tout prix un anti-bête dès le tour 2. Et pourtant j'en ai beaucoup beaucoup d'anti-bête, donc j'étais vraiment surpris de faire un mulligan pour ça. Mais bon, il n'y a pas le choix. Il faut à tout prix un anti-bête. Vas-y. Alors, de temps en temps, on a besoin de fetcher avant qu'il prenne son tour. Mais là, je pense qu'il n'y aura que Cérébro Senseur à Vemain qui pourrait m'embêter dans son deck. Je perdrai un. Canopée d'horizon, c'est très bien ça. Ça va lui faire perdre un point de vie. Si on t'aime piocher une carte, elle était enchantée. Ah, je t'aime la couleur de votre choix. Ok, ok, pardon. Ouais, du coup, avec ça, il ne perdra plus de points de vie. Et vas-y, tu peux y aller. Je vais fetcher pour le Surveil Land. Ouais.
Bah, c'est... Alors, au début, je ne l'avais pas mis sur Island, mais finalement, c'est tellement fort. Même si c'est un deck aggro, c'est vraiment génial de pouvoir mettre des cartes au cimetière. Si elles nous plaisent pas. Cimetière, un fetch. Et là, en l'occurrence, c'était un fetch land. J'avais déjà assez de terrain en main pour pouvoir jouer. Le deck peut tourner à partir de 3 terrains. Dès qu'on a 3 terrains, c'est bon. On n'a plus trop besoin d'autres terrains. Un fileux du four. Je crois que je lance un système de rituel. Gagne plus 3, plus 0. Ok, tu payes. Je rigole parce que c'est nul. Je l'avais sorti à très très longtemps, cette carte. J'ai essayé de la retenter à ce tournoi. C'est vraiment, vraiment mauvais. En fait, il faut attaquer au moins une fois avec un blast pour faire l'équivalent d'une créature 2-2 célérité. Ça a que 2 endurance, donc c'est très fragile. Donc, ouais. Et ça sera une fin de tour. Là, par exemple, si j'avais eu une 2-2 célérité à ce tour-ci, j'aurais déjà mis collé 2, j'aurais encore recollé 2, donc j'aurais collé 4. Et là, en fait, faut, pour avoir l'équivalent de ça, il faut au moins que je fasse un blast à ce tour-ci. Ouais. Donc c'est vraiment pas top, ça n'a pas l'initiative, ça n'a pas de capacité d'évasion, c'est vraiment mauvais, ça a dégagé de mon deck juste après le tournoi. Fin d'attaque. Ouais. Je vais créer un trésor. Bon, c'est là par contre que vous allez voir que le deck peut être très très fort quand on fait ce genre de départ. Je vais sacrifier mon... On crée un trésor, et le trésor on sacrifie, on utilise le mana pour pouvoir... Alors j'hésite parce que j'ai une foudre et une poussée fatale. Mais c'est pas ça, je pense que je pourrais me débarrasser d'une grosse créature à 4 d'invoque. Moi, je préfère gaspiller ma foudre dessus. Enfin, gaspiller, utiliser ma foudre dessus. Ah non, pardon. Non, c'est Chain Lightning qui est un rituel. C'est vrai qu'il y a deux dessins qui se ressemblent. Du coup, je mets 4 avec le fileux et 3 avec le Kellogg. Vas-y. Ben, je suis content, il a que donc 2 terrains, donc il y a un 3ème terrain. Je me suis débarrassé de Cid-6. J'ai 2 créatures sur table, dont une qui traite les trésors. J'ai encore pas mal de cartes en main. Voilà, mais il a rechopé son grand terrain glissant. Oui, il faut se débarrasser de Kellogg qui fait des jetons de trésors. Et comme j'ai déjà utilisé mon jeton trésor, je peux pas de suite rejouer Kellogg. Non, j'en ai plus tant que ça. On aurait besoin de l'avis d'un spécialiste en règle. Un bosquet solide. Et il repioche son bosquet solide. C'est la carte qui me défonce. Je peux strictement rien faire contre cette carte-là. À part choper le Chaos Defiler. Et j'ai Demonic Tutor et Tainting Pact pour aller chercher si besoin. Mais bon, ça fait que 3 cartes dans le pack. Une chance sur 30 environ de le piocher. Enfin, de piocher une des 3. Un Brandon Fanatique. Ouais. Je vais t'attaquer avec les 2 créatures. Est-ce que t'as d'autres effets ? Ah, c'est fragile, c'est... Non. Okay. Ouais, c'est mou, c'est mou. J'aurais eu le Fatal Push tout à l'heure. Là, j'aurais fait la foudre, il aurait pris 1, 3. Il aurait pris 6 de plus, il sera à 4. Si j'ai, j'ai pas gaspillé ma foudre tout à l'heure. On verra si ça aurait été mieux, du coup. Pour 4. Avec 2 parallaxes. Eh ben non, ça aura rien changé. Et tu peux y aller. Il peut me paralyser mes 2 créatures. Urborg, du coup ça fera pas de blessure. Je relance Kellogg. Je repose Kellogg. J'aimerais rentrer en phase d'attaque. Vas-y. Je peux retirer dans n'importe quoi, ouais. Je vois un token de trésor. Ah non. Parce que avant du coup que tu les déclares attaquant, ouais. Je vais te retirer Kellogg. Ok. Je vais le mettre dessous. Ok. Ouais, faut le mettre dessous parce qu'à 7 mana ça va être quand même très compliqué de le rejouer. Vas-y. Il passe à 8, j'ai encore une poussée fatale en main. Et la vague de parallaxe, c'est là où on s'aperçoit en fait qu'un mono rouge est peut-être plus fort en fait que ce fameux Kellogg. Parce que mono rouge a tellement de blasts, mais qui peut passer outre ce genre de cartes. Il rejoue Cid-6 qui est désormais inciblable à cause de son bosquet solide. Thank you.
Ah là c'est compliqué. À partir du premier tour, il va commencer à gagner des points de vie. Bon, finalement j'ai mon sixième terrain. Mais malgré tout, je pense que c'était quand même un bon choix de laisser Kellogg sous la vague de Parallax. Il reste plus que 3 tours. Peut-être même moins s'il décide de paralyser mes deux créatures. Ah, il a exactement la même carte que la première, avec vague de Parallax en plus. Quoi. Ouais, ça je peux que la regarder parce qu'elle me défonce cette carte. Comme un tissu c'est un enchantement, je peux pas non plus la cibler. Il va commencer à faire beaucoup de mana. Pour 4, marche des canonisés à X égale 2. Quand un dragon arrive sur le champ de bataille, crée X jetons 1-1 blanche avec le lien de vie, dévoilant en tien, si votre dévotion en blanc et au noir est super ou égal à 7, crée un jeton 4-3 vol. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ouais. 6 et 7 que j'ai oublié avec le bosquet. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a 7. Il a déjà la dévotion. J'avais pas fait gaffe. Hein. Et tu peux prendre ton tour. Mais il fait 2, 1, 1 lien de vie. Donc il va encore gagner de la vie. Moi, franchement, le pack est fort. Alors, s'il n'y a pas le bosquet solide, ça se gère. Mais avec bosquet solide. Ingérable. Bon, je pense que face à un deck aggro, vous avez une préceptrice. Vous allez chercher de suite le bosquet solide et vous êtes tranquille, je pense. Juste là. Okay. Il prend que un, j'ai pas eu de blast. Ah, je suis mou en plus, je suis mou. Je sais pas ce que j'ai en main, mais sûrement des anti-bêtes, mais des anti-bêtes qui me servent à rien vu que ces créatures sont inciblables, vu qu'ils ont toutes des enchantements en plus d'être des créatures. Deux, je vois un terrain fertile sur cette plaine, je vais avoir Trigger Cities. Mm. Je fais que le regard à la carte. Elle m'énerve tellement. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire 7 blancs. Je vais en utiliser 5 pour faire un sigil du trône vacant. Il refait le même truc que la première. Ah, je vous dis, c'est hallucinant. 4-4 blanches avec le vol. Là, il commence à faire beaucoup de 4-4 blanches. Et encore, je vous dis, il a oublié de faire la 4-3 à l'entretien parce qu'il avait la dévotion. Avec les deux autres qui me restent, je vais poser un saut de nettoiement. Trigger City, Trigger Sigil. Donc il pioche une carte, il gagne un point de vie, il pose un 4-4 volant. Je vais sacrifier ça. Le passage merveilleux. Il va arriver d'étape. Elle va arriver dégagée parce qu'il y a 4 terrains. Pour 1, exploration. Trigger Cities. Il va refaire un 4-4, il va gagner un point de vie, il va piocher une carte. Four en blanc, classe paladin, Trigger Cities. Ouais, je suis blasé, ouais. Je suis blasé, ça va être... Je suis blasé, j'ai pas de solution. Et j'ai du coup une autre 4-4. Ça c'est abusé quoi, deux parties tu l'as eu, ouais, c'est... Ça me défonce. Pour 2, Baffling Hand, je vais vouloir t'exiler ça, je vais avoir Trigger Cities, Trigger ça. Ouais, elle est même pas au cimetière, elle exile normalement, mais de toute façon, moi je suis complètement à l'ouest là. Il a 4 créatures, 4-4 vols.
Deux créatures, un lien de vie. Il m'a exilé toutes mes créatures. Voilà. La plupart. Pour deux, faire une pétrification là-dessus. Trigger voilà. Trigger ça. J'ai entendu une réponse. Moi, je vais te coller un. Ok. Il y a quand même le Trigger Cities qui se crée parce que c'est quand même lancé le sort. Même s'il n'est pas résolu. Pioche une carte, il a 15 points de vie. Il a encore un jeton sur la vague de parallaxe pour pouvoir m'exiler ma prochaine créature. Je vais faire un s'amuser avec le feu sur toi fin de tour. Je te colle 2 et je fais regard 1. Ok. 1, 2. Même si je trouve un Chaos Defiler sur. Sur ce regard, j'ai zéro solution. Là. Fin de tour. Ok. Début de mon tour. Donc là, il va avoir dévotion, donc il va créer une 4-3, mais qui aura mal de vocation. Il perd son dernier marqueur. 4-3. Il avait vu qu'il venait de créer le deck, il n'avait pas encore les tokens. Mais je pense qu'il va devoir en trouver. Parce que ouais, il commence à bien maîtriser. Pour 3, ils ont fantomal. Et allez, il en rajoute. Donc avant qu'il pioche une carte. Je vais te coller. C'est pas lui. Créer un orc armé. Et comme ça, ça va annihiler les points qu'il va gagner avec Cities. Trigger Cities, trigger ça. Ouais. Quand tu pioches, tu repères 1. Ouais. Et lui est gros aussi. Ouais, bah écoute, je vais passer en phase d'attaque. Là, il y a 5 créatures. Avec ça, là. 4, 8. Ah, j'aurais pu attaquer et tout, hein, parce qu'il avait aussi des 1-1. Plein de vie. Il pensait que c'était suffisant. Ouais. Mais je. Je me sauve. Je prends 16 points, je passe à 3. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mana vert. Il va m'en rester 9. Eidolon de fleur, Trigger City, Trigger ça. Donc, Trigger Eidolon et Trigger. Piocher une carte. Il y aura un trigger de ça aussi. Ouais. Donc, vas-y, pioche ta carte. Donc il va piocher 2, perdre 2 et gagner que 1. Piocher 1, gagner 1 et perdre 2 avec le maître archéorc. Mais bon, il est tellement bien là que. T'as pas un trigger aussi quand il arrive sur le bandage, tu pioches si, une carte. Ouais, je pioche une carte. Ouais, et voilà. Quand lui arrive et quand il a fait de Cities, ouais. Du coup, là, attends, il me reste. Du coup, il était paumé, il y avait tellement de choses à faire. Alors, on dit que Nadus, c'était chiant, mais là, c'est pareil, quoi. Son tour, il dure des plombes. C'est vraiment chiant de jouer contre. Je pense que ce sera la dernière fois que je vous montrerai Cities sur la chaîne. C'est vraiment pas agréable à jouer contre. Et c'est pas agréable pour moi pour le montage, et je pense que pareil pour vous, c'est pas agréable de voir un gars qui joue tout seul pendant des tours. Voilà, j'ai que des hordes qui arrivaient en plus. Donc, ça m'a tué. Du coup, on se voit à la CDF pour ceux qui y seront, et pour les autres, et bien du coup, à dans 3 semaines. À bientôt, bye bye.